On est issu d'un monde dans lequel on avait réussi à faire virer des moulins à plein régime. Virer tellement, fallait courir pour pas les ralentir. Un monde dans lequel on avait réussi à faire tenir la planète sur une dizaine d'heures de vol. Puis les richesses mondiales dans une dizaine de portefeuilles. On est issu d'un monde qui allait à la vitesse du son, puis qui a frappé un mur géant, microscopique. Le sens-tu, Toto? Le vertige étrange? Comme si ce monde-là était devenu un ancien monde. Qu'on serait peut-être dans un passage. Le sentiment qu'on aurait peut-être passé la fin du monde. C'est la fin du monde. Il y a ceux-là qui cherchent, qui se creusent le méninge et la prémonition pour essayer de prédire la fin du monde. Des chercheurs d'échéance, comme d'autres courent après des tornades ou après leur queue, des Nostradamus d'estrade. Ces gens-là, il y a un mot pour les nommer. On appelle ça les fins du mondistes. Leur job, c'est de peaufiner constamment le scénario de la fin du monde. Puis peut-être en venir éventuellement à espérer ou à réveiller en tout cas des grandes peurs. Le fin du mondisme. Là, à cette heure, on peut revendiquer quelque chose de différent. Quelque chose d'inédit. On le revendiquait pas avant, on savait pas que ça existait. C'est quelque chose de beaucoup moins hypothétique que le fin du mondisme. Beaucoup plus lumineux. On connaît la date. C'était hier. Puis c'est aujourd'hui aussi. Puis ça va être pour une couple de jours encore. Ça s'appelle le début du mondisme. C'est une conviction profonde que ça commence. C'est la certitude que c'est parti. Puis oui, on joue à distance, mais la proximité, elle va se rebâtir la confiance. C'est se tenir par la main. S'embrasser sur les joues. Pleurer de joie. C'est fini. Le temps de finir. On est les privilégiés de l'histoire. On est au commencement du monde. On est au commencement du monde. Le rideau s'ouvre sur la terre. L'aube se lève, la rose est tombe. Comme mon théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde. Mais il y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment, on rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. Il faut nettoyer les lilas.